Cette vidéo est sponsorisée par Aoea.com. Retrouvez votre contenu juste après et pensez à utiliser le coupon DM Gaming. Et salut tout le monde, cette fois-ci c'est les Diablos que j'ai tués en enfer, j'en ai tué 50 et j'ai eu autant d'objets qu'un Mephisto en faisant 100 et du coup je vais pouvoir vous présenter toutes les statistiques de ce run. J'ai eu du coup beaucoup de drops et je vais vous faire le résumé. Donc en drop intéressant, il y a eu un Reaper Stall, les gants Lane of Sand qui sont avec de l'IAS et des dégâts sur les démons, un guide 160 donc avec 20 de MF, une Chrono Sieve qui est aussi très pratique, un Sculder, un Charme Majeur pour pouvoir le reroll, alors celui-là c'est le seul objet que j'ai gardé, et une fameuse Mara, donc encore une Mara, du coup celle-ci, dès cet après-midi vous allez pouvoir participer au giveaway pour tenter de la gagner, donc il y aura une autre vidéo qui vous expliquera comment faire. Et le dernier, c'est du coup les objets qui valent l'aime ou une demi-lème. On a eu environ 22 objets de ce type. Côté résultat, du coup, on va être à environ à 31 lèmes, soit 15,5 poules sans compter pulls, plutôt sans compter la mara. Et avec la mara, on est à 47,5 pulls. Donc côté stats, c'est un run qui est difficile. Ça demande quand même beaucoup d'équipement. Et moi, je l'ai clean en environ 3 minutes. Donc ça reste assez rapide, mais vous pouvez mourir, votre mercenaire peut mourir, vous avez besoin de potions, etc. Donc si vous n'avez pas beaucoup d'équipement, du coup c'est peu rentable. Par contre, si vous êtes bien stuff, ça va vraiment être très rapide pour avoir pas mal de loot. Donc un Diablo toutes les 3 minutes, ce qui fait environ 6,2 pulls par heure sans la Mara et 19 pulls par heure avec la Mara. Vu qu'il y a eu tellement de drops, j'ai fait la game de free juste à l'instant et il y en aura une autre cet après-midi, donc n'hésitez pas à passer sur le Discord si c'est pas encore le cas. Et merci d'avoir vu cette vidéo, en tout cas le prochain run ce sera des contests et comme ça on va voir combien de runes je vais pouvoir y récupérer.